Un jour, sans que vous compreniez pourquoi, quelqu'un veut être votre ami. Bonjour. Bonjour, monsieur. Une belle journée. Ça, vous pouvez le dire. Bonne journée. Bonne journée. Salut tout le monde. Quoi de neuf? Toujours pareil. Bon, eh ben, je vais commencer. Bradel, Pruneau et Associés. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. À qui ai-je l'honneur? Je suis l'homme à qui vous avez dit bonne journée tout à l'heure. Bonne journée? Ouais. Vous voulez dire il y a un instant, là? Ouais, c'est bien ça. Ah, bonjour. Bon. Ouais. Et que puis-je? Eh bien, je voulais vous dire bonjour. Ah bon? Et puis... Bonjour. Bah, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Et qui c'est ce type-là? Le lendemain matin. Coucou, maman. Tiens, bonjour. Oh, bonjour. Bonne journée. Bonne journée, oui. Il faudrait dîner, un de ces quatre, là. Ouais. Content de vous connaître. Bonne journée. Bonne journée. Bien, salut tout le monde. Connard. Quoi de neuf? Toujours pareil. Le surlendemain. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous jouez au golf? Oui, c'est-à-dire non. Ah, ben parfait. On pourrait aller chez mon cousin, il joue pas lui non plus. Ok. Allez, bonne journée, mon vieux copain. Bonne journée. Tiens, Thierry. Connard. Toujours pareil. Bah quoi, Thierry? Hein? T'as pas dit salut tout le monde, quoi de neuf? Ouais, on a dit nos répliques routinières dans le vide. Ah, je... Qui est venu porter cette boîte? Ah, c'est le type, il dit qu'il te connaît. Qu'est-ce que c'est? Des cigares. Non, tu rigoles? Et une carte qui dit heureux de vous connaître. Fais voir des cigares. Tiens. Et merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, cette marque-là, mon vieux, c'est à 350 francs pièce. Ouais, c'est une boîte de 40. Et qui c'est ce type-là? Je le connais pas. Mais qu'est-ce que t'as bien pu faire pour qu'il te fasse un tel cadeau? Bah, je lui ai dit bonne journée, c'est tout. Putain, qu'est-ce qu'il t'aurait donné si t'avais dit bonne semaine? Ça, c'est un type qui cherche un copain. Ouais, évidemment, je vais lui rendre ses cigares, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, c'est simple, si tu veux qu'il te fiche la paix, ça se fait en quelques secondes. Tu lui dis de se foutre ses cigares dans le cul. Ouais, on peut pas se foutre 40 cigares dans le cul en quelques secondes. Alors raconte-lui des mensonges, dis-lui que t'es un enfoiré, un trou du cul, que personne veut être ton ami. Non, je crois que ça marchera pas. Bon, bah, si tu lui veux pas mes conseils, hein. Non, écoute. T'es vraiment un enfoiré, un trou du cul, personne veut être ton ami. Bradel, Pruneau et Associés. Bonne journée, mon ami de toujours. Écoutez, je... Alors, tout va bien? Oui, votre cadeau, c'est très gentil, mais je ne peux pas l'accepter. Et pourquoi ça? Bah, vous savez... Bon, un cadeau est un cadeau. Oui, ce qui est donné est donné. Mais je... C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, écoute... Fauteuil, fauteuil, hein? Banane, banane, bite, bite, poil, poil, cucu. Ça essaie de dire les mots deux fois. D'accord, d'accord. Écoutez, je vous connais pas. Mais si, maintenant tu me connais. Non, je te connais pas et tu me fais de trop gros cadeaux. Oh, j'aurais pu faire encore plus gros, tu me connais pas. Ah, aussi, je te connais. Ah non, tu me connais. Je voudrais qu'on en finisse là, d'accord? Et bah alors pourquoi tu m'as dit bonne journée? Bah, t'aurais voulu que je te dise quoi, dromadaire bleu? Moi, je crois que c'est le début d'une belle amitié. Non, écoute, je vais être clair. Bah, quoi? Moissonneuse batteuse. Hein? Non, basse-cour, vache laitière, tracteur, que... poule. Mais pourquoi tu lui as dit ça? J'ai entendu dire qu'il fallait utiliser des mots fermes. Ouais, mais pas de la ferme. Ah bon? Allez, voyons, faut l'admettre. Vous avez essayé la bouffe santé, vous en voulez plus et vivement un hot dog. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Dans un village perdu où on ne voit que des charrues, tout le monde au snack bar chez Raymond. Aménagé dans le milieu de nulle part, dans une moitié d'autobus, sur un petit espace qui est pas tout à fait comme Las Vegas. La serveuse est chouflue, y a des fautes sur le menu, y a une vieille table à pique-nique et des échardes dans ton cul. Y a un repas du jour que je te suggère pas toujours. Y a un cheveu sur ton steak et le chef y a une frite sur la tête. Au comptoir y a une moustiquaire pour s'assurer que les mouches restent dedans. Oh, 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 oh. Snack bar chez Raymond. Chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Pour oublier ton calvaire, mange un burger qui coule par terre. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Et mon vieux, quand tu reviens de manger là, ça fait comme une boule dans l'estomac. Ce qui fait que Dolly Parton, quand elle y va, ça lui en fait trois. Le soir, l'enseigne s'allume, mais il manque quelques lettres dedans. Alors au lieu d'un restaurant, ce sont des restes évidemment. Manger comme ça, c'est pas mal dans un sens. Il se pourrait que ça remonte dans l'autre sens. Y'a des mouettes dans les poubelles qui mangent la même chose que toi en battant des ailes. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Viens ma chérie, allons nous mettre en ligne avec des cons. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Salade au thon, salade au poulet, sale autour de la bouche à cause du ketchup comme c'est laid. C'est pas compliqué, tu roules et tu vois rien à l'horizon. Et puis soudain c'est snack bar chez Raymond. Bon gueule. Deux minutes, les deux minutes du peuple.
Les crottes de chiens, à Paris y a toute l'histoire, les monuments, mais y a aussi les crottes de chiens, qui vous attendent quand vous tournez au coin. Ouais, mon frère Yo-Yo, ouais, j'ai une paire de Converse toute neuve, ouais, j'ai une paire de Converse toute neuve. Y'est pas question de marcher dans la merde, car c'est indélogeable dans une semelle de Converse. Ouais, ça reste là. Oh, j'ai marché dans la merde avec mes Converse. Bah regarde où tu marches quand tu converses. À Paris dans le 8ème, une chaude journée d'été, on regarde les belles demoiselles marcher et on leur crie, hé madame, foutez-moi la paix. C'est pas mal quand c'est celle d'un chihuahua, mais quand t'as celle d'un danois. Vous êtes-vous fait déjà engueuler pour avoir laissé votre chien se soulager? Eh hey, dites donc, vous vous prenez pour qui? C'est ça, et lui c'est Kiki. Viens Kiki, viens. Imaginez si les lois municipales étaient plus sévères. Vas-y Kiki, vite. Oh merde. Les autorités devraient se forcer pour y voir. Les petits chiens se forcent beaucoup plus que sur le trottoir. Y'a toujours un petit tas qui guette vos chaussures coquettes, peu importe la classe sociale laquelle vous êtes. Quelle superbe journée. Attention monsieur le ministre, vous allez marcher dans la... Quoi? Vous allez marcher dans la... Ah. Je vous dis, vous allez marcher dans la... Ah merci, je l'échappais belle. Oh, le poteau, vous êtes fait mal, on frappe pour le poteau. Le poteau. Un vieux règlement dit qu'on devrait mettre ça dans un petit sac. Oui mais... Faut pas se tromper avec celui où on a mis les beignets. Ah non. Heureusement que les girafes ne sont pas domestiques. Ça, ce serait vraiment problématique. T'as vu mon frère, je les ai tout évité les crottes. Ouais, mais attention, fais gaffe plus haut. Qu'est-ce que t'as dit mon frère? Fais gaffe plus haut. Non, mon frère. Putain de girafe. Voyez-vous, c'est pas si mal avec les clébards. Fado, valégado, valégo. Crotte de chien. À Paris, y'a toute l'histoire, les monuments, mais y'a aussi les crottes de chien. Qui vous attendent quand vous tournez au coin.